Allez, salut les amis, on se retrouve encore pour une présentation de map, map allemande. Alors c'est, je vais essayer de le prononcer, Germanent Raid, voilà, quelque chose comme ça. Une très belle map, vous la trouverez sur le site officiel, tout simplement. On va aller dessus. On va déjà mettre le PDA. J'ai baissé un tout petit peu le son. Et franchement, cette carte est waouh, très très belle. Alors, je crois que c'est basé sur un vrai secteur, hein. Donc, alors, vous avez du champ rectangulaire, un peu dans tous les, un peu de tout quoi. Mais franchement, c'est super bien travaillé. Vous voyez, c'est mec, on dirait qu'il s'amusait à mettre les arbres à l'emplacement pile poil, hein, au même endroit qu'il a mis ses arbres. Franchement, c'est propre. Je peux rien dire là-dessus, le PDA est vraiment splendide. Puis alors, ça a fait une belle carte. Alors là, c'est vraiment bien pour du multi, pour jouer à plusieurs, c'est plutôt pas dégueulasse. Culture, ben, je pense qu'on a à peu près toutes les cultures, ou peut-être celle-là, je ne sais pas. Une bonne question, je ne sais pas. Point de vente, on a donc c'est de l'allemand, hein, donc voilà, hein, faudra traduire. Hein. On a quelques points de vente. Bon, après, ça reste, ouais, une... oui, là, il y a une céréale, mais il n'y a pas de bon, pas. Ça reste une carte allemande. Alors, c'est quoi ça? Vous n'êtes pas fatigué? Ah, c'est pas mal ça. Eh bien, on va les regarder, voir un peu les trucs plaçables. Ouais, il n'y a rien en plaçable. Tout est intégré dans la carte? Non. Vache. Ah bah, il n'y a rien du tout, les gars. Tout est intégré dans la carte. Donc, impossible de. Alors, voilà. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. C'est dommage qu'on ne peut pas faire son propre corps de ferme. Voilà. Là, c'est encore pareil. Le corps de ferme, bah, vous pouvez. Et voilà, les bâtiments sont déjà là quoi. C'est un peu dommage. Alors je visite comme vous, hein, je connais pas. On avait. Ah, par contre, c'est les symboles et tout ça, c'est vraiment top. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment super. Hein. Et ça, c'était quelle map qui avait ça? Je ne sais plus, il y avait une map sur le 17 qui avait exactement le même système de silos. Les bâtiments, c'est vraiment typique allemand. Voilà. Alors c'est une map qui est vraiment. Je vous mens pas, elle est vraiment magnifique. Alors si j'arrive à rentrer. Ouais. Donc là on peut. Ok. C'est le petit garage, ouais. Allez voir un peu le bâtiment à vache, même si bon, j'aurais préféré, voilà. Par contre, tout est bien indiqué, hein. Franchement. Mec, il s'est éclaté. Hein. Ben, on dirait le bâtiment de Maïsed Farmer, non? Ou pas? Je sais pas. Non? Très beau le bâtiment, il n'y a rien à dire. Ah, bien! Sympa. Ah oui, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Vous savez pourquoi que c'est pour la plupart. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Lisier. Bah, il y a quand même du matériel au démarrage, hein, quand même. Hein. On va essayer de prendre un véhicule. Et à fond Ferguson, lui. Hein. Ah oui, c'est du Ferguson à fond. Allez hop, on va vendre un véhicule vite fait. Hop, c'est simplement pour acheter une voiture pour faire un petit tour. Comme ça, on ira à la concession. Le concessionnaire.
C'est propre. C'est la carte m'a l'air vraiment. Alors, j'ai pas mis les logs, ouais, les FPS, on va voir un peu. C'est du matériel de cause. Ah oui, ok, c'est du truc. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va faire un tour. Vous allez voir le village. Moi, j'avais déjà été faire un tour sous Giant. Le village est tout simplement magnifique. Je trouve que ça fait partie, pour moi, pour l'instant, dans ce que j'ai pu voir en carte, c'est vraiment l'une des plus belles cartes que j'ai vues. Hein. Je vous laisse admirer mais la déco du village, hein, tout simplement. C'est propre, c'est vraiment détaillé. Je trouve que c'est une carte. Voilà, c'est propre. C'est beau. Bon, le mec, il est un peu la main à l'autre côté chez le voisin, mais bon. Non, on plaisante, mais on s'en fout, vous allez me dire pour les bricoles comme ça, mais. Allez, je suis encore un tour dans le. Ouais, bon, roule correctement aussi, quoi. Même une vieille ferme, là, une vieille maison en ruine. Ah bah non, il y a un corps de ferme là. Un mini corps de ferme alors. J'ai pas regardé le log. Oh, je suppose que si c'est sur le site officiel, ça devrait être bon. Ouais, le log est bon. Faire couper en deux, moi. Oui, mais t'énerve pas, mon coco. Regardez ça, comment c'est. Non, mais c'est super beau. Hein. Le village. Et là, on peut décharger. Ouais, c'est pas mal. On va prendre par là. On va faire le tour. Parce que c'est quand même une très très belle carte. Franchement, faut quand même la montrer. Oula. Je crois qu'on arrive dans les champs. On va prendre par là. Voilà, là, regardez, c'est super propre. C'est beau. Moi, je. J'aime bien. Par contre. Ok. Bon, ben, moi, je vais couper. Hein. Ça fait quand même des champs assez costauds, quand même. Hein. Vous inquiétez pas, je coupe. Le dingue. Un dingue, le mec. Reprendre par là. Est-ce que par là, ça se ferme? Ah oui. On va redescendre, on va aller voir. On va redescendre. Alors, là par contre, vous voyez, j'ai les FPS quand même, ils sont vachement descendus quand même, il y a des moments. 45, 47. Après, il y a tellement d'éléments aussi sur la carte. Alors, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Hein. Le mec, il a pas rigolé. Hein. Végétation, il y a. Bah, la végétation, elle est là aussi. Hein. Donc. Et c'est quand on arrive au niveau du village, vous voyez. C'est propre. Elle est vraiment splendide, hein, cette carte. Ça, c'était une voiture, hein, au cas où. C'est pas dégueulasse quand même. Donc le BGE est par là-bas. Non? C'est quoi? Non, c'est par là. Ah, je suis comme vous, hein, je découvre la carte. Hein, où je vais me faire couper en deux. Ah, donc si vous la cherchez, allez sur le site officiel. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
J'observe en même temps. Oh, les petits défauts comme ça, mais c'est rien quoi, je veux dire. C'est de la bricole. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, pour l'instant, moi j'aime bien. C'est propre. Oh, je fais le silo, les deux silos, mon gars. Pff, sont costauds, les copains. Hein. Bah, tu me diras, la carte, elle est costaud aussi. Hein. On va essayer de revenir un peu dans le corps de ferme. Il y a beaucoup de déco. Ah, je suppose que c'est un champ, ouais. Barrière. Ça, c'est votre habitation. Ah, ce bâtiment est très joli aussi, ce bâtiment-là. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. Il y a quoi faire. Pareil pour les animaux là. Alors, c'est vraiment. On est vraiment sur une map. Hop là. Typique allemande. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement. N'hésitez pas, franchement, si vous avez l'occasion, allez faire un tour. Pour les gens qui veulent jouer à plusieurs. On peut regagner encore des autres points. On n'a pas été voir par là-bas. Hop. On va finir par des points là-bas, par ces coins-là. Mais franchement, pour ceux que ça intéresse, une carte vraiment bien, bien, bah, plutôt pas mal. Alors après, il manquerait peut-être certaines cultures pour certaines personnes. Mais voilà, je trouve ça bah, bon, propre. Franchement, allez, rien à dire. Il y a encore un bâtiment là-bas. Hop. C'est la Syrie. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? L'enclos à canasson. L'enclos à canasson, tu sais. Ah, c'est propre. Ah, ouais. C'est le cirque, hein, si je me trompe pas. C'est propre, hein, ils l'ont bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Encore des points de vente. Ça, c'est pour vendre la paille. Forcément, j'ai le téléphone qui se met en route. C'est pas grave, t'inquiétez pas. Et ça, c'est un autre corps de ferme. Alors, le corps de ferme là, ouais, c'est pas mal. Ça fait, alors, je l'ai déjà dit, c'est dommage qu'il y ait encore les corps de ferme. Mais bon. Moi je suis pas fan quand il y a les corps de ferme. Je préfère maintenant les fabriquer moi-même. Mais sinon, bon, c'est propre, hein, y a rien à dire. Il y a vraiment. C'est vraiment typique allemand. Et franchement, pour ceux qui aiment bien l'esprit allemand, eh ben n'hésitez pas. C'est quand même une carte qui est plutôt pas. Qui est vraiment très très jolie. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a pas d'erreur au niveau des logs. Félicitations aux mappeurs. Et franchement, allez-y foncer, c'est une très belle carte. Bah, écoutez, bah, sur ce, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation de map ou peut-être de mode. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.